Ah et bien salut à tous et à toutes, ici Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet, oh ça va piquer, on va parler de l'argent sur YouTube, mais alors on va pas parler de l'argent, combien gagne machin truc, on s'en bat des steaks, ils gagnent ce qu'ils veulent frère, hein. On va parler de comment on fait pour gagner de l'argent grâce à YouTube. Alors tout d'abord je tiens à vous le dire vraiment, si vous voulez vous lancer sur YouTube pour gagner de l'argent, sors frère. Y a pas de... vous pouvez pas penser comme ça. Parce qu'avec YouTube, déjà d'une, pour monter en abonnés, en vue, il faut du taf, il faut du piston. Oui, mais c'est vrai, il faut plein de choses. Et c'est pas pour autant qu'on gagne beaucoup. Hein. Franchement, moi dans cette vidéo, je vais être complètement ouvert avec vous. Vous allez voir combien je gagne. Et là, les gars, vous allez rigoler. Hein, pour de vrai, parce qu'il y en a, ils disent, ah, Narco, il gagne des thunes, frère. Il gagne de la maille. Rien du tout, mec. Vous allez voir, je vais vous parler donc comment gagner de l'argent en passant par quel site, quel network, quelles applications, quelles propositions. On va voir tout ça ensemble pour que vous soyez le plus briefé possible et que vous n'ayez plus aucun secret. Enfin, pour que le financement grâce à YouTube n'ait plus aucun secret pour vous. Donc, on va se retrouver, bim, ici sur ma chaîne YouTube. Donc déjà, pour savoir quel montant vous êtes susceptible de remporter grâce à YouTube, regardez ce que vous allez faire. Dès que vous êtes sur votre chaîne, vous allez dans gestionnaire de vidéos. Ensuite, vous allez aller dans Analytics. Le temps que l'Analytics se cherche, ok, tout ça, toi-même tu sais. Ensuite, vous allez sur le côté dans Performance des annonces. Et ensuite, vous avez dans revenus bruts, ici, donc l'argent que vous avez gagné. Donc là, par exemple, pour ces 28 derniers jours, pas que vous avez gagné, mais que les annonces sur votre chaîne, donc les pubs, sont susceptibles de vous faire gagner. Donc si vous n'avez pas de pub, normalement, il y a marqué zéro. Hein. Après, je sais pas, ça dépend comment ça se passe, si vous avez des vidéos à droit d'auteur, etc., etc. Donc après, on peut, voilà, ici, on peut partir, par exemple, sur... comment on fait pour sur les autres jours? Voilà, on peut faire depuis toujours. Tiens, depuis toujours, combien j'ai gagné? Enfin, combien ça aurait pu me remporter? 1559 $. Voilà, donc, j'ai jamais touché autant d'argent de ma vie. Mais, voilà, c'est... Les annonces peuvent rapporter ce montant. Bon, une fois que vous savez ça, vous fiez pas hein, avec, comment ça s'appelle, Social Blade ou quoi, parce que c'est n'importe quoi, ils sont juste basés en fonction des vues. Hein. Mais vous savez très bien qu'il y a des vues monétisables, des vues non monétisables, avec tous ceux qui utilisent Adblock. Alors là, vous allez me dire, mais Narco, t'es un bâtard, toi aussi tu utilises Adblock. Ouais, il y a Adblock d'activer, je suis d'accord, mais c'est parce que je tourne une vidéo. Et en vidéo, si je dois lancer une vidéo, je veux pas qu'il y ait de pub qui vienne embêter mon écran, c'est normal, tu vois, je veux dire. Mais... une fois que j'ai éteint la caméra pour faire le montage de ce que vous voulez, forcément que là, Adblock, je le désactive complètement. Je suis YouTuber, je suis supposé gagner un petit peu d'argent grâce aux vues. C'est pas moi en premier qui va mettre Adblock, sinon je suis qu'un putain d'égoïste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas du tout comme ça. Donc ensuite, une fois que vous avez vu ça, il faut savoir qu'il y a deux façons de pouvoir gagner de l'argent. Soit grâce à AdSense. Alors, je vous déconseille formellement, vraiment, pourquoi, comment, je vais vous expliquer. Vous allez dans le tableau de bord. Alors, moi, je sais pas si c'est pareil pour toutes les chaînes, mais j'ai plusieurs amis, ils m'ont dit que c'était pareil. Il y a un nouveau truc, ça s'appelle, enfin, c'est marqué, nous avons travaillé avec votre réseau multichaîne afin de vous inclure dans le programme de partenaire YouTube. Ah, partenaire YouTube, de l'argent, tout ça, ouais, je vais lire et accepter les conditions. Doucement, les gars. Donc là, lire les conditions, bim, il y a ça qui s'affiche. Je vous le lis, hein. Selon votre pays, si vous acceptez les conditions suivantes, vous ne pourrez plus être éligible au financement par les fans. Et cette fonctionnalité sera automatiquement désactivée. Vous savez, sur les chaînes YouTube, il y a maintenant ce qu'on appelle le financement par les fans. Donc, on peut faire des petits dons. En France, il y est. Sur ma chaîne, il y est. J'ai déjà eu 2-3 petits dons. Mais le truc, c'est que je ne peux pas récupérer l'argent. Parce qu'il faut Google Wallet. Et vous savez, en France, Google Wallet, ça n'existe pas.
concrètement. Et donc, c'était ici le petit bouton soutenir, vous voyez ce que je veux dire, avec on fait un don, mais concrètement, ça marche pas. Si vous voulez me faire un don, vous cliquez ici sur don PayPal et ça marche mieux. Petit placement de tapette. Bref, alors, ce qu'on va faire, je vais vous lire. Ce document inclut les, accords suivants. Conditions de programmation partenaire vidéo. Contrat conclu avec YouTube vous permettant de générer des revenus grâce à vos vidéos. Direct, ils vous mettent, on peut faire des revenus grâce aux vidéos. Je vais accepter. Oh, tranquille, lis en entier. Ils vous disent, conjointement avec les conditions d'utilisation YouTube et le règlement de programme partenaire YouTube, pouvant chacun faire l'objet de modifications. Et en plus, chacun faire, boum, il y a une faute. Il manque un espace, frère. Ils l'ont mal tapé sans battre les couilles de votre gueule, vraiment. Intégrer au présent par référence des conditions au programme partenaire YouTube suivant s'applique à votre participation au programme partenaire YouTube. Les conditions, veuillez lire attentivement les conditions. Si vous ne comprenez pas ou n'acceptez pas toutes les parties de ces conditions, vous ne devez pas télécharger le contenu à fin de monétisation. À des fins de monétisation, c'est bien. Ah, pas compris. Donc en gros, YouTube vous versera 55% des revenus nets reconnus par YouTube à partir des publicités affichées ou diffusées sur, par YouTube ou par un tiers autorisé sur les pages de visualisation de votre contenu ou dans le secteur de la vidéo YouTube en rapport avec la diffusion de votre contenu. Tout ça, du blabla pour dire quoi? Ils te prennent 55%. Non, ils vous versent 55%, donc ils te niquent 45%. Donc la moitié de ce que tu gagnes, c'est YouTube qui se le met in the pocket, direct. Donc ça, c'est bâtard, tu vois, je veux dire. Et ensuite, avec les trucs monétisables, etc. Donc, s'il y a une personne qui a de bloc ou quoi, selon les annonceurs, parce que vous savez, il y a Nike qui va mettre une pub, ça va rapporter plus d'argent que s'il y a Viveldop ou je sais pas qui, tu vois. Quoique Viveldop, c'est bien, c'est le shampoing, tout le monde en met. Bref, vous voyez le, le truc que je veux dire. Bref, en gros, alors là, il faut que je vous le lise parce que vous allez le trouver. Alors, conditions de paiement, limitation de taxes. YouTube vous versera tout revenu dû dans un délai d'environ 60 jours à compter de la fin du mois civil, du moment que les revenus générés équivalent à un solde de moins 100 dollars USD ou son équivalent dans la devise locale. Donc, ça veut dire que si t'as pas 100 dollars qui est cumulé, tu toucheras rien. Donc, si en un mois tu es un petit YouTuber et que tu gagnes 3 euros par mois, tant que t'as pas 100 euros qui seront cumulés, tu toucheras rien. Tu n'auras pas 3 euros pour t'acheter ta baguette de pain. Il faudra que tu attendes d'avoir cumulé 100 euros et ils te versent par tranche de 100 euros d'un coup. Et 60 jours après, donc ça veut dire 2 mois. Donc tu es content, tu as dépassé tes 100 euros, mais tu n'es pas payé pendant. Tu attends 2 mois ton paiement. Donc ça, déjà, c'est chiant. Ensuite, il y a un autre truc. Alors là, j'ai la flemme de tout lire. Mais concrètement, je vous le dis ce que j'ai lu et ce qui avait vraiment marqué. C'est-à-dire que ils peuvent vous striker la chaîne parce que vous avez regardé vos propres vidéos. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Vous savez, je vais sur ma propre vidéo pour regarder le nombre de vues, pour répondre aux commentaires. On peut répondre dans la section commentaires de la chaîne, mais moi, j'aime bien aller sur la vidéo, regarder le nombre de vues, les commentaires dessous, etc. pour regarder les plus récents, tout ça, tout ça. Moi, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Et donc, du coup, ça me fait une vue sur ma chaîne. Oh, Narco, il regarde ses vidéos. Ouh. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, si tu regardes 3-4 fois ta vidéo, BAM! Patate dans ta gueule, YouTube te baise. Je me suis fait mal. Donc déjà, ça, c'est pas bien. Ma précédente chaîne, si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez! Ici, il y a marqué les dossiers de mes anciennes vidéos. Bref, sur mon ancienne chaîne, qui avait mon nom et mon prénom, eh bien, j'étais avec Google AdSense. Ce qui s'est avéré, c'est que j'ai eu un droit d'auteur pour une musique que j'ai mise. J'avais enregistré la musique, mais genre son téléphone, c'était pas le MP3 que j'avais balancé dedans. Et en plus, je chantais par-dessus. Mais non, droit d'auteur, striker la chaîne. Donc, plus le droit de mettre des vidéos supérieures à 15 minutes, plus le droit de mettre des miniatures, plus possibilité de monétiser la chaîne et plus la possibilité d'accéder à un network, à un réseau, à rien du tout. Il m'avait baisé ma chaîne. C'est pour ça que j'ai changé de chaîne. Entre autres, mais voilà. Et ça, c'est assez bâtard de leur part. Et donc, c'est bâtard. Il faut pas accepter ces trucs de merde. Donc, annuler. Fuck you bitches. Hein. Et en fait, moi, comment je fais pour gagner de l'argent? Moi, je passe par un network. Le network, c'est quoi? C'est un site, c'est une agence, c'est un réseau, en fait, qui va monétiser votre chaîne, qui va balancer de la pub dessus, etc. etc. Et c'est, ça passe pas par YouTube directement. Alors maintenant, oui. Mais moi, j'ai feinté, vous allez comprendre. C'est-à-dire que quand moi, j'ai rejoint mon réseau, c'était en 2013, en fait. C'était un tout petit réseau, pas très connu, et qui donnait que 50%. Donc, un peu moins bien que YouTube. Mais je me suis dit,
j'ai tellement eu des merdes avec Google AdSense que au final je passais par eux parce que je sais pas, ils m'avaient l'air bien, correct, carré, bien comme il faut. En fait, en lisant, en allant sur le site, ça me paraissait vraiment cool, vraiment réglo par rapport à d'autres networks qui me paraissaient un peu bizarres. Bon, c'est pas français, c'est américain, mais du coup, je me suis dit tant qu'à faire, c'est américain, c'est pas français, on va faire confiance à quelqu'un d'autre, autant se faire niquer par Google. Voilà, j'ai plus envie, je veux faire confiance déjà à mon instinct et voir ce que ça donne. Ce network met de la pub et donc vous rapporte de l'argent pour vous et pour lui. Et ça passe pas par YouTube. Ce réseau, c'est Maker Studio. Donc si vous voulez vous essayer de passer partenaire avec Maker Studio, ça va être un peu plus compliqué maintenant, j'en reviens juste après. Mais au cas où, dans la description, il y a un lien. Vous cliquez dessus et puis vous allez peut-être pouvoir passer partenaire. Hein. C'est le lien pour passer partenaire. Donc là, voilà, Maker Studio. Si vous avez fait gaffe, il y avait PewDiePie. Pourquoi il y avait PewDiePie? Je vous dis ça, en fait. Pourquoi ça va être dur d'accéder à ce réseau? C'est parce que maintenant, le réseau, il était là. Et maintenant, il est dans le turfu, le réseau. En gros, maintenant, regardez, on va dans Maker Creator pour savoir un petit peu les gens qui sont affiliés à ce réseau. Voilà, PewDiePie. Ben, je suis dans le réseau de PewDiePie. Toi-même, tu sais. Ensuite, Dodger. Ensuite, Markiplier. Ensuite, Toby Turner, putain, excusez-moi, lui, je le connais pas. Il y a qui? Il y en avait un que je kiffais. Il est où? Là, Bart Baker. Si vous le connaissez pas aller voir, il fait des parodies. C'est un stremont. Et il y a vraiment pas mal de gens cool sur ce network. Et après, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dessus. Il y a eu des affiliations avec différents autres studios, d'autres réseaux, en fait. Ici, quand on va dans le menu, je crois qu'il y a marqué quelque part... je ne sais plus si c'est Revel Mode, hein, je crois. C'est ça, Revel Mode, je crois que ça, c'est le truc de PewDiePie directement. Voilà, ça, c'est PewDiePie, Revel Mode, talent, machin, machin. Ça, c'est un truc qui fait partie de Maker Studio, donc de mon réseau, avec Marzia, la copine de PewDiePie, et PewDiePie et pas mal d'autres YouTubeurs, et en collaboration avec Maker Studio. Donc voilà, ils ont été bien pistonnés, Maker Studio. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ils ne versent plus 50%, mais me versent 75%. Donc les trois quarts de l'argent fait sur YouTube me revient directement. Ensuite, pourquoi en fait? Alors maintenant, le truc, c'est que quand on s'inscrit sur YouTube, directement, on veut passer partenaire. Il y a AdSense qui est au milieu et on ne peut pas résilier comme ça AdSense. Mais on peut prendre un réseau multichaîne. Un réseau comme Maker Studio. Alors vous en avez plein, hein. Même en France, on a Wizdeo par exemple, hein, pour citer, hein, qui a l'air vraiment bien, Wizdeo. Et ben voilà. Mais là, du coup, en fait, on passe par YouTube et le network passe derrière. Donc YouTube va ponctionner déjà ses 45%, le reste va le filer au réseau, et le réseau sur ça, donc Maker Studio pour moi, ben, prend ses 25% et me laisse au final les 75% des 55% qui me restaient. Au final, ça fait que je touche que pas beaucoup. Donc c'est un petit peu con. Et moi, en fait, je me suis inscrit sur ce réseau bien avant qu'il y ait toutes ces mises à jour de YouTube. Truc pourri. Et ce qui fait que, pourquoi je n'en sais absolument rien, je ne passe pas par YouTube. C'est-à-dire que YouTube touche 0 centime sur ma chaîne. Sauf en cas de don. Mais là, c'est différent. Mais là, l'argent des vues me rapporte 0 à YouTube, tout bam, part directement sur Maker Studio et eux, tac tac, font le partage direct. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver directement pour que vous puissiez bien concevoir ça. Bim, là, on est sur ma page de mon network, directement. Alors, regardez ce que j'ai gagné en décembre. C'est misérable. Quand je vous dis que YouTubeur, c'est pas ce qui paye bien, 27 dollars. Ça fait 24,40 €, je crois, bref. C'est rien. Soyez pas youtubeur pour gagner de l'argent, vraiment. Faites-le vraiment par passion. Ensuite, donc, à vie, j'ai dû gagner 490 $. Donc, c'est loin des 1500 qu'il y avait sur YouTube, hein, on est d'accord. Et donc, voilà, avec YouTube, regardez, j'ai pu gagner 27 $ en décembre, 40 en novembre, 70 en octobre, 63 en septembre, 60 en août, 72 en juillet. C'est très 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 variable. Et là, pourquoi il y a ce truc là? Parce qu'en fait, eux nous payent pas quand on a cumulé 100 $, mais 25. Donc si vous gagnez 25 $, ils vous payent direct. Donc là, j'avais cumulé 21 $, mais ça avait pas 25. Et avec le cumul du mois d'après, bim, j'ai touché 36.
Là, 72, c'est la vidéo sur Agario, on est d'accord. Plus 58 le mois d'après, plus 63, donc la vidéo m'a rapporté en gros 200 euros. C'est plutôt sympa. Et voilà, donc on va faire le calcul. 27,74 $. Ça, c'est ce qui me revient. Donc 75%. Ok. On retourne sur Analytics. Voilà, donc là, 34,98. C'est ce que j'ai touché, donc. C'est ce que YouTube dit que j'ai touché. On est d'accord. On va prendre la calculette. Je touche 75% de ces soi-disant 34,98. Donc on fait 34,98 multiplié par 75. C'est ce que moi je touche. On est d'accord. Et ça divisé par 100. 26,23. Combien j'ai touché? Oh, 27,74, un peu plus. Donc je gagne bien 75% des revenus directement créés. Donc YouTube prend 0 et j'ai même gagné, regardez, 26,23 et j'ai gagné 27, presque un dollar de plus. Donc ça c'est une petite marge de je sais pas d'où ça vient. Les calculs sont pas tout à fait exacts, je sais pas comment eux se débrouillent pour leurs calculs. Mais en grosso merdo, voilà, YouTube touche que dalle, c'est que le network qui prend. Voilà, c'est tout. Et donc pour gagner de l'argent sur YouTube, faites des vues. Pas forcément les abonnés, hein, c'est les vues, vraiment. Rejoignez un réseau. Wizio, Maker Studio, RPM Network. Oui, j'en passe, il y en a tellement, je ne les connais pas tous, je suis désolé. Mais rejoignez un réseau, faites gaffe à Google AdSense. Vous faites ce que vous voulez, les gars, vraiment. Hein, mais c'est au risque et péril de votre chaîne. J'ai déjà eu des gros problèmes avec et je ne veux plus que ça se reproduise. Donc, voilà. Surtout, faites ça. Et ensuite, vous allez dans votre chaîne et regardez Narcotag, ils disent partenaire validé avec Maker Studio. Alors pourquoi 3? Il doit y avoir plusieurs groupes dedans, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ça doit être, je crois, il y a Maker Studio Lifeline, Gaming. Alors attendez. Alors voilà, Gaming et Sport, Lifestyle, Family, Entertainment. Dans les programmes, donc moi je suis dans un des trois, je crois, je dois être dans gaming et sport, ou je sais pas dans quoi ils m'ont mis, mais en gros voilà, c'est ça. Et donc, pour vous montrer que je gagne pas énormément d'argent, que c'est pour ça que je peux pas financer des choses avec YouTube concrètement, et que vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube, mais croyez pas à l'infini de l'argent, ce n'est pas du tout le cas. Et au moins je vous ai montré comment moi, je fais pour être rémunéré par YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout si vous aimez bien Maker Central, là, Maker Studio, ce que je vous ai montré, si vous voulez par exemple essayer de joindre, bah, cliquez dans la description et puis bah, on verra si jamais vous êtes tendé. C'était Narco et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Pense à t'abonner gratuitement à la chaîne YouTube Narcotag en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Tu peux également cliquer ici pour accéder à la playlist de la vidéo. Tu peux aussi cliquer ici pour visionner la dernière vidéo publiée. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour ne louper aucune information concernant la chaîne. Et si le cœur t'en dit, tu peux effectuer un petit don pour aider la chaîne à évoluer.